Colors weave into a spire of flame. Distant sparks call to a past still unnamed. Light as torch against the cold of the night. Set your soul and reawaken the undying light. Eh bien, salut tout le monde, c'est Paradox pour ce tout nouvel épisode de notre aventure sur Pokémon version violette. J'espère que vous allez bien. On va tout de suite faire ça parce que je viens de découvrir qu'en fait ce Pokémon là évolue juste en faisant des pas. Vraiment. Voilà. C'est tout. C'est tout. Donc bon. Aujourd'hui, on est parti du coup pour aller. Je pense qu'on va aller. On va aller. On va aller par là, je pense. Parce que de toute façon, soyons honnêtes, cette arène-là, on l'a bien vu qu'on pouvait pas la faire, l'arène de type psy, pour le moment. Donc je pense en vrai qu'on va aller. On va aller là. On va aller là. Par là. Par contre, il me suit pas du tout. Oh, enfin, c'est pour que je m'arrête toutes les 2 minutes pour. Oh, regardez, what, ils se battent. Super. Par contre, tu viens? Ouais. T'es un peu lent, mais tu viens. Mon dieu. Toi, on t'a déjà battu. Voilà, donc faut marcher 10 000 pas avec, en fait. Avec. Mais c'est gay. Ok. Allez, viens. C'est quoi ce Pokémon? Ouais, bon, hein, je pense que tu as vite fait m'énerver, en fait. Parce que on est d'accord pour dire que. Ouais, jamais il va me suivre. Ouais. T'en dis quoi? Ouais, voilà, j'ai bien vu ce que j'ai vu. Il y a pas eu un Pokémon là-dessus. Ok. Ok. Là, on a un raid avec un combat, si on veut. Griffe facile. Ok. Pas dégueu. C'est pas dégueu. C'est pas dégueu, Griffacier, honnêtement. Hop. Une rapide vol, ok. Ça peut être cool. Tac, une Lux Ball. Oh là là. Super Bowl. Super. C'est tellement bien. Franchement, et pour le moment, j'adore. Oh, Tilton. Je me demandais ce que c'était ce Pokémon. Tilton type vol. Parce que c'est pas toi qui as joué de bord. Ouais, bah tu fais éclater, écoute. Hein.
C'est un chamallow derrière? C'est un chamallow derrière, ok. Parfait. Tac, il est où le chamallow? Ne me mentez pas, j'ai vu un chamallow. Vous mentez. Vous mentez, Dolores. Salut. Salut. Ah putain, chabalo. Parfait. Ok. Du coup, attendez, ça c'est une fois. Il y en a qui connaît le combat. Attendez. Salutations. Vous avez réussi à vaincre cette dresseur. Ok, donc. Quand on aura fait 9 dresseurs, on aura le rune récompense. Ok. Bah, parfait. Pam pam la pam. Pam 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 pam. Mon dieu, cette équipe qui veut rien dire. Mais c'est ça qui est fun. Oh. T'as un repère de la Team Star? Non. Là par contre là. Ah! Oh, ça c'est l'objectif Stardust, ok. Bon, on peut le faire. On peut y aller après. Est-ce qu'on va pouvoir le faire? Tout de suite, je ne sais pas. Oups. T'es type quoi toi? Petit peu psy. J'ai pas envie de m'embêter avec toi. Après un petit peu psy, c'est vrai que c'est vrai qu'en soi ça peut être sympa. C'est vrai. C'est vrai. Du coup on va te capturer. Finalement. Parfait. Évolue ce Pokémon ou pas? Oui, c'est évolué. Niveau de 35. En quoi je sais pas, mais ça évolue. On l'inclut dans l'équipe. Parfait. Ok. Ok, hop. C'est Cassiopée. Je vois que tu n'es pas loin d'un repère de Team Star. Si tu fais le déplacement. Si tu as fait le déplacement jusqu'ici, ça veut dire que tu acceptes de m'aider, c'est bien ça? Merci. Nous faisons donc partie d'un seul et même camp. L'opération Stardust peut commencer. Attends une minute. Cette opération m'intéresse. Je sais pas où je viendrai à vous, l'amigo. Les amis. Les amigos. T'es qui, toi? Oh là là. Moi? C'est Clove. Depuis quand tu nous espionnes? Oh, Calmos, pas la peine de te mettre en boule.
Je suis un vieux pote à part. Il n'y a pas à s'inquiéter, pas vrai pas? On ne se connaît pas. Toi alors? T'essayes encore de me faire marcher? Mais c'est bien normal entre potes. On compte faire face à la Team Star. On n'est pas là pour s'amuser. Oui, je sais. Justement, moi aussi, j'ai des comptes à régler avec la Team Star. Et sans vouloir me jeter des fleurs, je pense que je vous serai utile. Quand je bosse, c'est toujours carré. C'est d'accord, après tout, on ne sera pas trop de trois. Bienvenue dans l'équipe. Je te dis Cimer. Tu t'appelles Cassiope, c'est ça? T'es qui au juste? Oui, c'est bien. Mon nom, c'est bien Cassiope. Avant, j'étais... Disons que j'ai un lien avec la Team Star. C'est tout ce que vous avez besoin de savoir. Ok, ça me va. Parfait. Je vais maintenant vous expliquer en quoi consiste l'opération Stardust. Concrètement, qu'est-ce qu'on doit faire? Pour faire simple, on doit prendre d'assaut chacun des repères de Team Star. Nous devons vaincre leur boss et mettre fin à leur règne. Par mettre fin à leur règne, tu veux dire qu'il faut les pousser à quitter leur rôle de boss? Exactement. La Team Star est divisée en 5 groupes et chaque groupe possède un repère. De là où vous êtes, vous devriez voir l'un d'entre eux. C'est ça là-bas? Oui. De l'autre côté se trouve l'un des repères que nous devons infiltrer. Et c'est tout au fond de ce repère que se trouve notre cible, l'un des boss de la Team Star. Ok, je crois que j'ai compris. Les membres de la Team Star sont tenus de suivre un code d'honneur. Le boss n'a pas d'autre choix que d'affronter quiconque vient le défier en combat. S'il perd ce combat, il devra renoncer à son titre de boss. C'est le code qui le dicte. Tout à l'heure, j'ai envoyé une lettre de défi à chaque repère. Signé à ton nom, Para. Les boss de la Team Star savent donc que tu vas venir les défier. Et si tu parviens à les vaincre, ils seront obligés de débarrasser le plancher. Sans boss à leur tête, les groupes finiront par se dissoudre. Et la Team Star disparaîtra. Mais il y a un souci. Les repères sont immenses et abritent des Pokémon de garde dont le rôle est de repousser tous les intrus. Les dresseurs inexpérimentés. Un dresseur inexpérimenté a peu de chances d'atteindre le trône du boss. C'est pourquoi tes talents sont indispensables à cette opération par. Pour tirer le boss hors de leur tanière, tu dois vaincre les Pokémon de leur repère. Mais avant ça, tu dois t'infiltrer à l'intérieur. Commence par te débarrasser des gardes à l'entrée. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire pendant ce temps? Comme je l'ai dit, j'ai des liens avec la Team Star. Ils me reconnaissent. Je ne peux donc dès lors pas agir à découvert. Je vous soutiendrai à distance. Et moi, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Malheureusement, je ne te fais pas encore totalement confiance. Je vais donc te demander de surveiller les alentours du repère pour le moment et de donner un coup de main à part. Ok, c'est normal. C'est normal de rester prudent. Je comprends le délire. Je vous recontacterai plus tard pour vous indiquer la suite des opérations. Bonne chance. Bon, il est temps de passer à l'action. À toi de wesh, Farah. Monsieur le proviseur, c'est vous? J'avoue. Je ne vois pas de quoi tu parles. Mais en ce qui concerne ma véritable identité, Chapardus et Bouscouju. Pour le moment, je suis ton bon vieux pote Colv. Pas besoin d'en savoir plus.
Bien sûr. Bon, on a un repère de... Bon, bah on a le repère qui est juste là. Bon, bah on va s'y attaquer. C'est parti. Pour le repère de la... De la Team Star. Hop, pas si vite. Ici, c'est le repère de l'équipe Ténèbres de la Team Star, le groupe sanguin. Ouais, on espère d'être rentré, alors où ça dégage? Désolé, mais si tu refuses de partir, alors on sera obligé de t'y forcer, et ça sera pas joli joli. Oh, mais attends, tu ne serais pas para? C'est toi qui as envoyé une lettre de défi à la Team Star, ta tête est mise à prix. Peut-être bien que oui. Genre, ton honnêteté te mènera nulle part, tu sais. Quoi qu'il en soit, du balai. Allez, zou. Sinon, tu auras affaire à moi. Et mes gros bras. J'attends. Viens. Oh! Oula, l'insolence. Tu oses me provoquer en plus, tu vas le regretter. Bah viens, je t'attends. Allez, viens. On va se battre. On va se foutre sur la gueule. Allez, on est parti contre la Team Star. Ok. C'est parti. Ouh, Cornèvre. Ok. Cornèvre. Vibre à quoi ça devrait suffire. Cruel. Oula, attention. Je m'attendais à plus, honnêtement. Attention parce qu'il est plus rapide que nous. Tu fais mal. Ok. Ok, il est confus. Ce que je propose, c'est qu'on passe avec une attaque des priorités. On n'attaque pas en premier? Quoi? On n'attaque pas en premier? Super. C'est ce qu'on appelle un faible dans le milieu. Ah, l'étincelle. Putain, mais c'est quoi son Pokémon là? C'est quoi les vitesses de ce Cornèvre? Voilà. Ok. Ok, on a battu à ce sbire. Oh, j'ai tellement la haine. Bon, je m'occupe de lui, ok? Moi, je me casse. Elle vient juste de rejoindre notre groupe. Du coup, elle est encore un plus. C'est un peu impulsif. Ah là là. Bon, moi, je retourne en repère pour prévenir les autres. Notre comité d'accueil va pas te faire de cadeau, alors je te conseille de faire demi-tour. Mais si tu t'obstines, bah bon courage. Ok, bon. Je constate que tu as réussi à te débarrasser des gardes. Bien joué. Ici, c'est le repère de l'équipe Ténèbres de la Team Star, le groupe Sangha. Leur boss s'appelle Brome. C'est lui qui a recruté les autres boss de Team Star. Il a aussi composé leur thème musical. Brome est un type très futé. Il n'est pas du genre à se laisser impressionner par une lettre de défi. Il va sûrement envoyer ses pierres pour t'épuiser avant de passer lui-même à l'action. Contre un adversaire calculateur tel que lui, le mieux est de lancer une attaque frontale. Viens à bout de tous les Pokémon des sbires jusqu'à ce que Brome se montre. Quand tu seras prêt, fais sonner le gong pour lancer l'étape suivante de notre opération. Il est temps de démanteler le groupe Seguin.
Bon, attendez, voilà, j'ai absolument plus de Pokémon de soigner. Bon, bah voilà. Bon, bah, vous pouvez attendre. On va juste aller soigner vite fait. Ouais. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Ok, bon, allez, on est reparti. Bon. Ça m'a l'air sympa, honnêtement. Oh, mince. Pas. Voilà. Franchement, bon, au moins on aura tout testé. Mais pour le moment, en tout cas, bon, aussi bien les défis d'arène que les barons, j'ai beaucoup aimé. Après avoir la partie Stardust, ça peut être sympa aussi. Défense plus. Enfin, dépense spéciale, plus pardon. Allez, on est parti. Voulez-vous avec les trois premiers Pokémon de votre équipe? Non. Ah, non. On va prendre toi ensuite. Oh, quoique toi t'es de type Pepsi. Donc ouais, non, si, c'est bon. Allez, on va tenter comme ça. On va tenter comme ça va le faire. C'est parti pour pour le premier. Fais gaffe, Para. La Team Star est adepte d'un style de combat assez particulier. Ils s'appellent ça le Star Assault. Pour les affronter, utilise le bouton R pour envoyer plusieurs Pokémon au combat en même temps. Et si tes Pokémon ont besoin d'être soignés, viens me voir. Je m'en chargerai. Par contre, à Skip, les sbires auraient une machine qui leur permet de soigner aussi leur Pokémon. Hey, les gens! Un gars complètement inconscient a osé s'introduire dans leur repère. Il sait clairement pas à qui il a affaire. Montre-lui de quoi est faite la Team Star et chassons-le d'ici plus tard. Quant à toi, l'intrus. Si c'est notre boss que tu veux voir, il va falloir que tu battes 30 de nos Pokémon en moins de 10 minutes. Si tu y arrives, peut-être qu'on te laissera passer. Alors, envoyez les Pokémon en avant en appuyant sur le bouton R pour essayer de mettre KO à un nombre. Ok. Ok, on peut envoyer 3 Pokémon en même temps. Tous vos Pokémon seront mis KO. Ok. Si vous avez des Pokémon de KO, le soin. Ok. D'accord. Ok. Ok. Parfait. On continue. Où est-ce qu'il y a des pions? Là-bas. Ok. Là-bas, vite. Tac. On se soigne un petit coup. Parfait. Alors? Ok. Ok, allez, go. Parfait.
vous gérez là-bas. Ok, on a un Pokémon de KO. Vite, on va vite faire les soigner. Ok, on a la moitié. Mort. Ok, on continue. Honnêtement, ça va, c'est super sympa. C'est très différent par contre. Ok. Ok. Ok, 28. Là-bas. Voilà, c'est bon. C'est sympathique. Bon, c'est pas... C'est pas ce qu'il y a de mieux, mais bon. Enfin... Non. C'est pas ce qu'il y a de mieux, mais disons qu'en fait, pour une partie de l'histoire, c'est sympa. Pour une partie annexe, c'est sympathique. On peut rien contre lui. Je vais appeler notre boss. Oh, par contre, contre le boss, c'est un combat normal, j'espère. Bon! En forme, on dirait. Ton nom, c'est pas c'est bien ça? Moi, c'est Brog, aka DJ Darkness. Tu peux m'appeler comme tu veux. Et si on skippait l'intro pour ton... pour entamer le refrain? Tends un peu l'oreille, tu entends? C'est ton requiem. Allez, en scène. En saute à fond, tu vas kiffer la vibe de mon son. Ok, ça a l'air du combat classique. Alors... Parfait. Donc c'est bien Pokémon. Ok. Bah allez, on est parti. Niveau 20. Ok, il va faire mal. Tu regrettes de venir. Pardon, on fait 0 dégâts. On fait 0 dégâts. On va faire Terracristallisation. Vibra quoi. Voir si c'est pas mieux. Oh, ça va être galère. Ok. C'est un peu mieux.
Ah bon. Ok, prochain tour, on change. On a toi. En fait, il est toi. T'es que niveau 18, mais bon. Oh mon dieu, il se fait one shot. Oh mon dieu. Mon dieu. On se fait défoncer, on se fait ouvrir. Ok, pas beaucoup de dégâts, mais moi ça peut pas régler, je me dis. Encore faudrait-il qu'on arrive à placer. On peut pas le paralyser. Météore. Ok. On va faire super potion. Sur Canard Bello. Ok, hop, on revoit Canard Bello. Ce qui me réduit ma défense spéciale. Ok. On diminue petit à petit. Ah bon. Il fait mal. Voir ce qu'on peut faire. Reviens Canard Vélo. Ouais, il est dur. Qu'une petite potion devrait suffire. Oh mon dieu, il fait super mal. Pff,
Ok, parfait, tu gères. Ok, prochaine attaque, il passe peut-être. Parfait, mais tu gères Canarbello. Oh là là, la gérance de ce Pokémon. Parfait. Quelle ironie, franchement. Un an et demi plutôt. Quelle ironie, franchement. Quel est taille, Brom? J'ai eu un meeting avec nous, avec notre big boss, et on s'est mis d'accord sur plusieurs points. Ah bon? Vous avez parlé de quoi? D'abord, de l'opération Star. Et ensuite, de votre code d'honneur. On a de plus en plus de membres. Donc, il faut mettre en place des règles. Ça devient indispensable. Te connaissant, je suis sûr que tu as déjà de bonnes idées, non? Bof, pas vraiment. En plus, ça me met grave la pression. Vous vous souvenez pourquoi les autres pouvaient pas nous blairer à l'école, non? Quand j'étais délégué. Ça oui, je m'en souviens. Faut dire que t'avais un peu abusé sur le nombre de règles. Il y en a qui n'ont pas apprécié. Et ensuite. Et ils ont vite fait de te remplacer. J'admets comprendre leur doléance. Interdire d'avoir plus de 3 cm de longueur de cheveux sur la nuque. Même la voix d'une idiote n'est pas aussi stricte. Bah voilà. Vous voyez pourquoi je suis pas la bonne personne pour écrire le code d'honneur? Arrête de te lamenter. T'as toujours eu notre bien-être à cœur. Et c'est ça qui compte. Tu es quelqu'un sur qui on peut toujours compter. Tout le monde a confiance en toi ici. Et puis, t'es peut-être pas un délégué top. Top c'était avant, mais maintenant t'as changé. Je suis sûr, je ne sais pas quel code d'honneur tu nous mijotes, mais moi, je suis prêt à le suivre. Idem. Ok. J'ai compris. Je vais l'écrire, ce code. Je vais le faire. Je fais ce que j'avais à faire. Je me suis appliqué. C'est moi qui l'ai écrit ce code. Bon, je le suivrai et j'abandonnerai le titre de boss. Tiens, voilà mon badge de TAM. Parfait. Je te laisse céder. Tu l'as mérité sans tricher. Ça y est, le concert est fini. Et il n'y aura pas de rappel. Mais franchement, j'avais aucune chance contre tes Pokémon. Ils avaient trop de skill. C'est à l'académie que tu as appris tout ça? Genre, comment entraîner tes Pokémon et tout? Ah ouais. Et tu kiffes tant que ça aller à l'académie? Ah ouais. Salut la compagnie, c'est toi Brom? Oui. Qu'est-ce que tu as fait à tes cheveux, frérot? T'as la coupe la plus louche que j'ai jamais vue. J'ai besoin de te parler, frérot. T'as une seconde? Oh! Je sens que t'es venu casser l'ambiance. Mais j'ai du temps maintenant. Donc, why not? Merci, j'ai droit au but. Si tu continues à agir de la sorte, vous allez vous faire renvoyer de l'académie. Alors, pourquoi ne pas mettre un terme à la Team Star et retourne à l'école. C'est ça que tu veux savoir? Eh ben, je vais te le dire. On attend le comeback de quelqu'un d'important. Même si pour l'instant,
On n'a pas trop de signes de vie de sa part. Quelqu'un d'important, un camarade. Je parle de la personne la plus balèze de la Team Star. The boss parmi les boss. L'équivalent de la maîtresse en chef pour les dresseurs, quoi. On l'appelle Big Boss. La Team Star, c'était son idée à la base. Et où est ce fameux Big Boss? Ah, si seulement je le savais. Ça fait bien un an qu'on n'a plus de news. Du coup, on s'est dit qu'on continuerait à faire vivre la Team Star. Notre Big Boss nous rappellerait. Mais les profs font tout pour qu'on se sépare. Et maintenant, il y a un caisse comme vous qui vient nous défier. Si ça se trouve, notre Big Boss nous a vraiment laissé tomber. Notre organisation était même sur le point de se dissoudre la dernière fois qu'on en a parlé. Votre Big Boss, les membres de la Team Star, ce sont des gens importants pour vous. Évidemment, sans eux, je ne sais pas, je n'ai pas ce que je ferais de ma life. Comme diraient les autres de l'académie, pour moi, la Team Star, c'est mon plus grand trésor. Il y a un bon fond. Ils sont malhonnêtes, ils sont méchants, mais il y a un bon fond. Para, Drom, t'as donné son badge thème. C'est parfait. Maintenant que le groupe Seguin n'a plus de boss, sa dissolution est imminente. Brom. Excuse-moi, j'avais l'esprit ailleurs. Voici ta récompense, je vais transférer quelques PL sur ton téléphone. Parfait. Comme tu pouvais le voir, j'ai ajouté quelques nouvelles CT au répertoire de la machine à CT. Grâce à elle, tu vas pouvoir apprendre de nouvelles capacités utiles à tes Pokémon. Quoi qu'il en soit, tu as fait du bon travail. Quelqu'un de l'équipe de ravitaillement va venir t'apporter quelques ressources qui te seront utiles pour fabriquer tes CT. Oh toi! Salut. Je suis Pania. Je fais partie de l'équipe de ravitaillement. Tu m'as sauvé à l'entrée de l'école l'autre fois. Mais tu te souviens sans doute pas de moi. Si, je me souviens de toi. Ah bon? Moi aussi. Je fais mon projet extrascolaire. Je m'y connais en machine et en piratage. Alors, j'aide les autres. Je travaille en coulisses. C'est ça, ma chasse au trésor. Du coup, tiens, c'est sa récompense supplémentaire de la part de Cassiopée. Grâce à ça, tu vas pouvoir fabriquer un tas de CT. Cassiopée m'a dit de te donner une récompense à chaque fois que tu réussiras à démanteler un repère de la Team Star. Il paraît que tu es vraiment très doué pour envoyer des Pokémon combattre à distance. Avec quelqu'un comme toi à mes côtés, l'opération se passera bien, c'est certain. Il te reste encore 4 boss. Alors, bonne chance. Elle est tellement mignonne. Ok. Bon. Bah voilà. Ça c'est fait. Où est le centre Pokémon d'ici? Il est loin ou pas? Le prochain centre Pokémon est quand même assez loin. Donc on va retourner, on va stopper là je pense. Quoique là c'est loin en fait en allant tout droit. On devrait y aller assez vite. Une super potion. Tant mieux on en a utilisé pas mal. Bon par contre ouais les repères de la Team Star c'est assez compliqué quand même. Oui, non, ok, il est juste là, le centre. Bon, ouais, on va aller au centre, on va s'arrêter là pour cet épisode.
N'empêche, je suis content parce que mine de rien, on a. Là, ça va faire 3 épisodes où on a enchaîné un repère de la Team Star. C'est la barricade là-bas. On a qui non. Ouais, mais on a plus personne de vivant, donc non. On va les soigner, on ira le faire après. Enfin, on va t'arrêter de voir. Là, on a enchaîné une arène. On s'est enchaîné une arène, un dominant et un truc de la serveuse. Donc en vrai, on a vraiment tout fait. On a vraiment fait un truc de chaque, c'est vraiment super sympa. Ok. Parfait, mon orbe de Terra Crystal s'est rechargé. Bon, on va pouvoir s'arrêter là. On sera lui la prochaine fois. Eh bien les amis, j'espère en tout cas, franchement, sincèrement, que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Oh, n'oublie pas de s'abonner, d'activer la cloche pour être tenu informé par notification dès qu'une vidéo sort. Vous pouvez également partager la chaîne de la vidéo à vos amis pour que ceux-ci puissent me découvrir et pourquoi pas s'abonner. Merci à tous ceux qui le font. C'était Para, bien évidemment. Allez, on se donne rendez-vous très bientôt pour la suite de notre aventure sur Pokémon Violet. Allez, merci à tous, c'était Para. Salut tout le monde. Allez, ciao, ciao. Bye bye tout le monde. Salut. Bye bye. Ciao, ciao. Bye tout le monde.